Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos du nouveau mode de jeu Endgame. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement découvrir le mode de jeu Endgame avec vous. Donc si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage et let's go, c'est parti pour le mode de jeu. Donc franchement, j'ai pas encore testé, je vais le débuter avec vous, je vais le découvrir avec vous et c'est parti. Alors, unissez vos forces, à chaque pierre d'infinité trouvée, Thanos et ses Chitauri deviennent plus forts. Ok, donc moi j'ai lu les règles de ce mode de jeu dans le patch note, donc si jamais vous voulez voir toutes les règles bien détaillées, enfin je les ai détaillées comme je pouvais, ben j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça peut vous intéresser. Alors, voyons voir, quelle équipe... Ah, donc je fais partie de l'équipe des Thanos, c'est ça? Parce que je vois que le gant et j'ai l'air d'être un Chitauri. Donc voilà, moi je suis un Chitauri, ok, on peut voler. Nickel. Ok. Ah ouais, j'ai le rayon. Et ça, c'est quoi? Ah ouais. Ah ok, ça c'est... Ok, ok, ok. Nice, nice, bro. Nice, bro. Ok, c'est parti. On va voir ça. Enfant de Thanos, obtenez les pierres d'infinité de votre maître et écrasez ces misérables humains. Ok. Ok, ok. Donc, franchement, je sais pas trop comment ça va se passer. Les soldats de Thanos ne craignent pas l'élimination. Battons-nous jusqu'à la mort. Enfin, j'ai pas eu le temps de dire la fin du truc. Donc apparemment, déjà, le fusil laser, il est quand même badass. Je ne sais pas si c'est une arme qui restera. Donc, c'est la première arme laser qu'on a. Donc, il y a le fusil laser donc, qui est en première position. Et là, c'est une sorte de lance-grenade à énergie laser, quoi. Regardez. On va voir les dégâts. Ah ouais, ça détruit les murs directement. Ok, ok, ok. Donc, celui-là, il a pas l'air... Attends, je peux voir les caractéristiques. Donc, dégâts 75, ici 100. Cadence de tir 1, cadence de tir 4,5. Est-ce que je peux prendre des matériaux? Est-ce que je peux construire? Excellent, excellent. Je veux construire en étant un joueur de Thanos, ça c'est cool. Putain, franchement, le jetpack, il est vraiment stylé. Par contre, il n'y a pas de limite. Donc, on a un jetpack illimité. Est-ce que je peux monter super haut? Ok, il y a une limite de chargement. Vous voyez les trois petites barres derrière? Oh, attends, j'entends tirer. Il faut que je teste mon arme quand même. Par contre, je sais pas. Moi, je pense que je peux pas réapparaître, hein, par contre. Donc, faut que je fasse attention quand même. Donc là, ah, il y a une pierre d'infinité. Attends, la première pierre d'infinité arrive. Obtenez la pierre de l'esprit pour invoquer Thanos. Donc, la première pierre, elle est là-bas. Et apparemment, on aura le premier Thanos. Donc, je sais pas comment ça... Qui va être le premier Thanos si c'est nous qui récupérons la pierre. À mon avis, si je récupère la pierre, ce sera nous qui serons Thanos. Si les ennemis récupèrent la pierre, ce sera personne Thanos. Je pense, hein, je ne sais pas, on va voir. Ah oui, ok. Donc là, en bas du gant, il est marqué x95. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah, c'est peut-être le nombre de joueurs? Ben non, je ne sais pas du tout. Ah, c'est le nombre de vies, je crois. Ok, on a récupéré la pierre de Thanos, apparemment. Attends, la pierre de Thanos est entre nos mains. Enfant. Putain, j'ai pas lu le truc. Et je ne vois pas de Thanos. Il tire sur qui, là? Ok. Ah, Sivla Thanos, il est là. Ok, wesh, bro. Ok, nice. Ok, on voit Thanos sur la carte et je pense que tout le monde le voit. Hein. Je pense que même les ennemis le voient. La pierre de l'âme va arriver. Ok, donc la pierre de l'âme va arriver. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, on la voit dans le ciel, regardez. Elle va là-bas. Ok, donc tu peux déjà anticiper pour être le premier à la voir. Alors comme je vous l'ai dit, hein, elle est... Merde. Putain, fait chier. Mais on peut pas y avoir de Thanos, hein. C'est un Thanos. Nous avons obtenu la pierre de l'âme, nous sommes plus puissants. Donc en fait, à chaque pierre qu'on va récolter, on a plus de puissance. Et ça, vous pouvez le voir dans l'ancienne vidéo que j'ai fait, j'ai détaillé chaque puissance. Donc il y a 6 pierres, et les 6 pierres octroient chaque puissance. Par contre, ils ne le précisent pas dans le jeu, c'est un peu dommage. Alors les ennemis, j'en vois vraiment pas beaucoup. Ah si, ah si, là il y en a un. Il a le marteau de Thor, je crois. Ouais, c'est le marteau de Thor qu'il a. Voilà les super-héros, les mecs. Ah, ça pète. Ah, ça pète, ça pète. Ça pète sa mère. Par contre, moi, j'aimerais bien me battre, là. Viens ici, toi. C'est qui, toi? T'es qui, toi? C'est l'archer? Ah non, c'est Thanos. C'est pas Thanos, c'est Thor. Alors, le gant de Thanos est défait. Mais il reviendra bientôt. Ok, donc là, c'est un truc aléatoire qu'on va avoir. Quelqu'un, un de notre équipe va l'avoir aléatoirement. Ah, j'en ai tué un. Est-ce que je peux réapparaître? Est-ce que les ennemis peuvent réapparaître? Ok, on a des réapparitions, mais comme vous pouvez le voir, on a 91 réapparitions. Donc, je pense que ça, c'est nos vies, c'est en dessous du gant de Thanos. Ok, ok. La pierre de l'espace va arriver.
Ok, la pierre de l'espace, elle est là, je crois, si j'ai bien compris. Ah non, c'est Thanos. Thanos qui est de nouveau là. Oh, c'est efficace, ça. Ok, tiens, je t'ai défoncé, Thor. Il y a beaucoup de personnes avec des haches, j'ai l'impression. J'ai pas encore vu de Iron Man. Ah, il y a un Captain America. Eh, je l'ai tué. Ah, il y avait un autre Captain America. Ah, bah peut-être que... Non, c'est le... Quand tu lances le bouclier, bah, il revient sur toi. Donc, à mon avis, il a réussi à me tuer. Enfin, j'aurais dû regarder dans la barre des feeds pour voir qui avait tué qui. Ouais, je vais te défoncer, toi. Donc, à distance, l'arme, elle fait déjà moins mal. Hein. Elle fait du 80... Du 30, du 30 et du 26. Et quand vous êtes tout proche, elle fait du 75. Donc, j'aurais bien aimé Thanos un peu. Bah bon, Thanos, je l'ai déjà été. Thanos, il change rien. Il y avait déjà Thanos auparavant, mais il n'y a rien qui change. C'est juste les pierres d'infinité, bah, ça le rend plus puissant, genre dans ses PV et dans ses points de dégâts. Alors, ce que je viens de voir, si j'ai bien compris, il y a... Oh, regarde, c'est Iron Man. Ouais, c'est Iron Man. Nickel. Je l'ai défoncé. Alors, si j'ai bien compris... Iron Man, donc là, lui, il a une arme normale parce qu'il n'a pas trouvé de gants. Je sais pas si vous, si vous réapparaissez avec votre spécial. Si vous êtes Iron Man, vous réapparaissez avec, je pense. Hein. Alors, j'ai vu que Captain America, il avait utilisé son bouclier pour se défendre. Donc ça, c'est une compétence du Captain America. C'est une des premières compétences. Hein. Donc, voilà. Alors, le seul que j'ai pas vu, c'est l'arche. L'archier. Je sais plus comment il s'appelle, l'archier de Marvel. Moi, je l'appelle le Robin des Bois, donc... Oh là 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 là, ils ont pas l'air très très balèzes hein, les super-héros, ou alors c'est peut-être parce qu'ils les utilisent pas bien, je sais pas. Mais en tous les cas, on a l'air de franchement mener la guerre facilement. En plus là, il y a une autre pierre d'infinité que je vais vite aller chercher. Ah non, il va aller la chercher avant moi. Vite. Bien vu mec. Hop, je la récupère. Je pense que Thanos peut pas la récupérer. Y a que moi qui peux la récupérer. J'aurais dû construire, fais chier. Je suis trop con. On a deux pierres là, je crois. Ouais, c'est ça, deux pierres. Non, on a trois pierres parce qu'il y en a, il y a la pierre. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on a que deux pierres. On a que deux pierres. Autant pour moi. Alors, Iron Man, sa compétence, c'est qu'il peut. Ben, je pense qu'il a juste un tir principal. Donc voilà, et il peut voter. Je crois que c'est tout. Il peut voler plutôt. Pas voter, qu'est-ce que je raconte. Voilà, là, il est en train de me tirer dessus. Ah, il a. Non, je crois qu'il a un tir. Un tir qui vise. Qui cible. Parce que j'ai l'impression il touchait toutes les balles, même quand j'étais en l'air, j'étais en train de tomber, j'avais l'impression que ces balles, elles me suivaient. Donc, je sais pas du tout. Donc en fait, Iron Man, c'est un peu comme s'il avait notre jetpack. Tiens, je me suis vengé. Et une arme aussi, quoi. Thanos est de retour. Extasiez-vous devant sa grandeur, MDR. Enfin, là, il y a une pierre, on va essayer d'aller la chercher. Ah ben, c'est toujours la même, en fait. Il y a personne qui va la chercher, ou quoi. Là, il n'y a personne. Je sais pas. Je crois que... Pourquoi on a que deux pierres, là? Je comprends pas. Avant, on avait la... Ah non! La pierre est à nous. Ok! Ok, en fait, là, on a déjà... Je crois on a déjà quatre pierres, là. Non, cinq pierres, en fait. Ok, ok, ok. Je viens de comprendre. En fait, le gant, on voit les pierres qui est affichée. Donc, il y a la pierre en plein milieu, la jaune. Donc, il y a le petit doigt. Le moyen doigt, le doigt d'honneur et l'index. Ouais, désolé. Hein. Donc là, il nous manque juste la pierre du temps. Arrive, puis éliminer les humains. Après, on va devoir éliminer les humains et eux, ils pourront plus réapparaître. Donc nous, on a encore 55 réapparitions. Par contre, si les humains récupèrent toutes les pierres de Thanos, nous empêchent de les récupérer, enfin... Je pense qu'ils peuvent les récupérer. C'est ça que je comprends pas pourquoi ils les récupéraient pas. Oh, il est invisible ou quoi, lui? What the fuck? C'est quoi ce délire? Attends, il y a un coffre. Est-ce que je peux prendre un coffre et changer d'arme? Ah non, je peux pas prendre de coffre, nous. Nous, les super méchants, on peut pas prendre de coffre. Ok, ok. Ah, ben voilà l'archer. Voilà Robin des Bois. Voilà, il m'a défoncé. Donc, j'ai l'impression qu'il a des flèches explosives. Je pense sincèrement que ça doit être compliqué pour les super-héros de défoncer l'équipe des envahisseurs, hein, franchement. Mais lui, Iron Man... Ouais, Iron Man, c'est sûr, il a un tir ciblé, en fait. Oh, là, le gantel est de l'infini. Regardez, moi, j'ai 300 de shield, 300 de vie. Parce qu'on a récupéré
tous les trucs. Toutes les pierres d'infinité. Et là, les super-héros peuvent pas réapparaître. Donc là, il en reste plus que 7 à tuer. Plus que 5. Donc là, il y a un Iron Man. Il a plus de shield en plus. Ok, il est mort. Là, on plus que 1. Et puis après, on a gagné la partie. Je pense qu'il est par ici. Déconstruit. Après, le jetpack, il est pas super cheaté non plus parce que pendant un certain laps de temps, on peut plus l'utiliser. L'équipe est restaurée. Comment ça, l'équipe est restaurée? Excelsior, ça veut dire que je comprends pas là. L'équipe est restaurée. Qu'on a gagné quoi. What the fuck man. Je pense qu'on a gagné. Ou alors, ouais non, je pense qu'on a gagné, c'est pas possible. En faisant le montage, j'ai remarqué qu'il était marqué « L'équilibrage a été restauré ». Et en fait, dans le film, Thanos y récupère les 6 pierres d'infinité pour justement faire un claquement d'oie et tuer la moitié des espèces vivantes de la galaxie pour faire un équilibrage pour pas que les ressources de toute la galaxie soient épuisées par les espèces vivantes. Donc là, Thanos avait vraiment bien réussi, donc on avait vraiment bien gagné la partie. Alors je vais relancer une game, mais je vais faire en sorte d'être dans l'équipe des super-héros, comme ça bah, vous aurez vu les deux gameplays, quoi, en tant que méchant et en tant que super-héros. Alors ça tombe bien, parce que maintenant je suis un super-héros, je fais pas partie des Chitauris là, je sais pas quoi, l'équipe des méchants. Thanos est arrivé, éliminer son armée avant qu'il n'obtienne les 6 pierres d'infinité, sinon il ne pourra plus être vaincu. En cas d'élimination, relevez-vous. Tant que Thanos n'a pas toutes les pierres, vous avez encore une chance. Ok, donc on avait bien gagné juste avant. Hein. Suivez la carte au trésor pour trouver un butin héroïque. Donc, on a tous une carte pour débuter, comme je l'avais dit dans les règles. Et donc, il y aura 4 coffres, je pense, où il y aura un butin héroïque. Mais après, il y a des coffres partout. Hein. Tu peux trouver un... Ok, donc là, c'est là-bas. Évidemment, c'est super loin. Il y a déjà... Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y trouvent? Ouais. Ouais, ça va être mort pour moi, je crois. Mais bon, il y a des butins héroïques dans les maisons aussi. Hein, donc, vous pouvez... Logiquement, on peut tous avoir un pouvoir. Après, je pense qu'on peut pas avoir 2 pouvoirs. Parce que si tu prends un pouvoir, je pense que ça te l'échange directement avec un autre pouvoir. Mais tu peux peut-être trouver 2 pouvoirs, ça c'est possible. Ceci est la phase finale. La pierre du temps arrive. Ok, donc j'ai même pas eu le temps de trouver... Trouver ce qu'il me fallait, enfin un pouvoir, qu'il y a déjà une pierre qui a apparu. Donc ok, là il y a une autre carte. Bon, déjà on démarre avec une arme. Une arme bleue et un pont bleu. Et en fait je pense qu'il n'y a pas de coffre. Les seuls coffres que vous avez, c'est des butins. C'est des butins héroïques. Et apparemment il y a plus que 4 cartes, je croyais qu'il y aurait que 4 cartes. Mais en fait non, il y a plusieurs cartes. On va essayer d'aller chercher le butin. Ah ouais, je suis juste à côté. Donc je pense qu'il y a vraiment des butins un peu partout en fait. Faut juste avoir la chance de trouver une carte. En plus, moi, j'ai trouvé une deuxième carte. Je vais pouvoir aller la récupérer. Ok, donc c'est possible que chaque joueur ne voyait pas le même coffre. Hein. Donc ça, ce serait bien. Comme ça, on fait pas une chasse au trésor. Quoi, parce que sinon... Ok, j'ai l'arbalète. Est-ce que je peux aller récupérer ma carte? Donc l'arbalète, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a un grappin. Et des flèches explosives. Voilà. Oh, attends. Est-ce que je peux détruire un mur comme ça? 2 flèches? Ok. 2 flèches, je pense. Non, même plus. Ok, il faut 2-3 flèches pour détruire un mur. Un mur normal, quoi. Mais je pense que ça doit être efficace contre les constructions. Ok, donc là, j'ai récupéré une carte. Nickel. Donc, je peux aller choisir un autre pouvoir. C'est ce que je vais essayer de faire. Ok, nickel. Il y en a un juste à côté. Oh, c'est stylé. Le grappin, il est quand même stylé. Hein. Ok, il est où le coffre? Ok. Il était juste à côté, quoi. T'imagines? Insane. Moi, je veux pas trop l'arc. Je vais voir un peu tester un peu tous les super-héros, en fait. Ok, on peut avoir 2 super-héros. Ok, je peux... Oh, c'est cheaté, ça, quand même. Hein. Ok, quand je le lance, il revient. Et quoi... En fait, R2, c'est pour se protéger. Et L2, c'est pour le lancer. Mais c'est trop cheaté. Je peux avoir 2 super-héros. Attends, je vais essayer d'en trouver un troisième. Parce qu'au final, c'est pas le fight qui m'intéresse. Le fight, justement, j'ai l'impression qu'il était assez compliqué. Ok, une nouvelle carte au trésor. Je trouve qu'il était assez compliqué le fight
quand j'étais dans les ennemis, je trouvais que les super-héros, ils avaient assez du mal à nous tuer. Donc je pense que le fight est un peu déséquilibré, mais après c'est quand même fun. Alors c'est quoi mon super pouvoir? Mon troisième? Est-ce que je vais avoir? Ah oh, j'ai 300 de PV aussi, oh je suis Iron Man, nickel. Nickel. J'ai lequel que je n'ai pas? J'ai pas Thor. J'ai pas Thor. C'est dommage. Je l'aurais peut-être, je sais pas. Je vais regarder si je peux pas le retrouver. Ok, donc il n'y a pas de dégâts de chute ou quoi? Ok, quand j'utilise le grappin, j'ai pas de dégâts de chute. Ok, avec Iron Man, je peux voler. L2, ça fait quoi? L2, c'est pour viser et tirer. Ok, je peux voler et tirer. Par contre, là, j'aimerais bien quand même voir un ennemi. Mais attends, je vais quand même regarder pour voir si je trouve pas une dernière carte pour avoir le troisième. Le quatrième... Ah si, nickel! Putain! Parfait, ça. Ok. Le trésor, il est là-bas. Comme ça, j'aurais... Ça, j'aurais pu vous montrer les 4 spécialistes, enfin les 4 pouvoirs. Ok, en plus, il était pas vraiment très très loin, il était juste là. Ah merde, bah ouais, j'ai pas pensé, ils vont me donner deux fois le même. Attends, il y a une carte trésor là. Ah non, c'est le bouclier. Attends, est-ce que ça détruit un... Ouais, c'est assez efficace. Une munition illimitée. Oh, j'ai trouvé un coffre. Ah bah voilà, j'ai trouvé Thor. Magnifique. Donc voilà, les coffres, ils vous donnent obligatoirement un truc, un pouvoir. Ok, je peux lancer la hache et je peux faire des corps à corps. C'est parfait en fait. Vous jonglez avec... Attends, si je comprends bien. Je fais ça. Ça c'est pour me défendre. Et ça c'est pour... tir longue distance. Fusil d'assaut. Pompe. Et... défense. Ouais, défense. Voilà, je me fais des petits... Comme si c'était des armes quoi. Enfin, c'est des armes. Hein. Comme si c'était des armes, fusil d'assaut, pompe et tout. Je les classe quoi. Alors j'ai juste envie d'essayer un truc avec le marteau de Thor. Logiquement, il détruit n'importe quoi le marteau de Thor. Donc ça, il devrait le détruire. Ah ouais, ouais, ah oui, c'est bien. C'est très très représentatif ça. Ok, donc là il y a une pierre d'infinité. On va essayer d'aller la récupérer. Donc il leur reste deux pierres d'infinité à trouver. Je vais essayer de défendre maximum. Alors pour se déplacer, le mieux c'est vraiment le grappin. Ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est dommage qu'on peut pas s'envoler avec le marteau de Thor. Ok, donc on est obligé de la défendre en fait. On peut pas la récupérer, mais ça doit être super compliqué, wesh. Attends, ouais, c'est super chaud d'être un super héros, wesh. Hein. C'est pour ça que dans le film de Endgame, il se passe un sale truc à la fin, je crois. Tu vois, c'est trop compliqué, tu vois. C'est trop compliqué. Attends, parce que. Ok, je réapparais avec mes armes, c'est bon ça. Donc maintenant, on va essayer de faire du shoot. Hein. Combien il fait l'arc? Ah, oh, je l'ai envoyé en plein dedans. 210. 215 plutôt. Ah ouais, elle fait du 200. Ah ouais, ok. 200 par 200. Donc, 3 coups de flèche, ça fait 600. Donc, il y a moyen que tu tues un type à 600 parce qu'ils ont genre 450 de dégâts. Non, 550 de dégâts. Donc maintenant, on va essayer avec le truc de Iron Man. On va voir un peu les compétences, les efficacités. Ah mais attends, je peux même appuyer sur Star, je crois. Enfin, donc là... Ah non, on voit pas les dégâts. Oh, ok, on voit pas les dégâts. Faut que je les teste. Donc là, j'ai une pierre d'infinité. Là, ah ouais. Ok, il me semblait bien, j'ai un viseur. Ah, c'est trop stylé, ça. Oh, c'est ça, c'est trop stylé sur Iron Man. Magnifique, quoi. Ah, infliger des dégâts. Ah bah, je vais faire mon défi en même temps. Bon, d'abord, je vais quand même essayer... Toutes les armes. Je vais essayer avec Thor là. Ah, je peux guider Thor. Je peux guider la hache de Thor. Regardez, quand je regarde à droite, il va à droite. Ok, stylé. Alors là, il y a un ennemi. On va essayer de le toucher. Ah, je l'ai touché. 95. Ça fait 170. Alors là, il y a Thor. Oh. T'attaques en fait. Oh oui, il a plus de vie. On continue. 95. Normalement encore 2-3 fois. Ok, vous avez tué Thanos, magnifique. Alors maintenant on va essayer avec le bouclier. Donc là je me défends. Est-ce que ça reflète les tirs? Non, ça... Oh quoi? Je me défendais. Ah ouais, mais c'est parce que c'était une arme à propulsion. Enfin c'était un lance-grenade quoi. Mais laser quoi. C'est pour ça je pense qu'il m'a tué grâce à ça. Alors on va réessayer. Regarde-le là sur son arbre.
Attends, je vais lui lancer en pleine gueule le bouclier. 175! Ah ouais, il fait mal, hein, il fait mal avec son bouclier, Captain America. Eh, on saute plus haut. On saute de... J'ai l'impression qu'on saute plus haut avec Captain America. Par contre, on peut pas guider le bouclier. Hein. Ah, quoique. Ah non, mais il fait des ricochets. Donc ça, c'est assez stylé. Attends, vas-y, tire-moi dessus là pour voir. Non, mais pas... voilà, des tirs comme ça. Non, pas des tirs comme ça. Tiens. Il a pas compris que son tir explosif, il était pas si cheaté que ça. Hein. Tiens. Attends. Ah oui. Ah oui, donc ça cale bien les... Ah tiens, 75 de dégâts. Tiens. Ah, c'est chaud quand même, c'est chaud. Eh, mais hey, on est en train de gagner, les mecs. Hein. On est en train de gagner, hein, en fait. Il leur manque deux pierres d'infinité. Et ils ont plus que 6 vies. Après, ils peuvent plus réapparaître. Ouais, je pense qu'on est dans le bon, là. On est dans le bon. On est tombé sur une mauvaise équipe. Tant mieux. Ça fait deux games que j'aurais fait et j'aurais gagné deux fois. Attends, où tu vas, toi? Alors, quand t'as les 4 pouvoirs, c'est quand même stylé parce que tu peux jongler avec tous les pouvoirs. Tiens, le marteau de Thor. Oh oui, je peux faire une attaque comme ça. C'est pas mal du tout, c'est une attaque un peu comme Thor. Ça, c'est génial. Voilà. Après, il n'y a que l'archer, moi, que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que... Je suis pas trop arche. Archer. Ah là, il y a un type. Mais après, j'avoue qu'il fait super mal, quoi. Voilà, l'univers est sauvé. Ok, nice. Magnifique, les mecs. On a réussi. Good game. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite, elle est quand même longue. Mais j'espère que cette vidéo gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, personnellement, je kiffe ce mode. Il est vraiment pas mal. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.